Salut à tous, c'est Aezo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. J'ai été voir les filles dans la rue et je leur ai demandé s'ils étaient pour ou contre la sodomie. Donc vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre la sodomie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon du coup la question du jour elle est très simple, c'est tout simplement est-ce que vous êtes pour ou contre le faire par derrière ? Bah ça dépend de la vie de chacun, enfin si quelqu'un veut, oui, si quelqu'un... Toi ? Bah, on n'est pas pour quelqu'un, on va pas dire lui là-bas, on s'en fout de lui. Non, enfin c'est pas ce qui m'intéresse plus que ça, donc moi je le ferai pas. C'est pourquoi ? Parce que t'as déjà entendu parler ou t'as déjà essayé et ça t'intéresse pas ou c'est un truc qui ne t'intéresse pas de base ? Non, ça m'intéresse pas de base, genre, je sais pas, je me dirais pas ouais. C'est pas un truc qui t'attire ? Non, pas spécialement. Et toi ? Alors moi pas du tout. Ouais, ça, pas du tout ? Vraiment pas. Parce qu'on sait que bah, souvent les mecs ou les meufs ont des envies de tester, se dire ah, ça peut être cool, nouvelle expérience, pourquoi pas ? Il y a des expériences que j'ai envie de tester, mais pas celle-là. Celle-là, elle en fait pas partie. Ah non. Non. Ouais, voilà, en fait, ça dépend des personnes. Par exemple, si nous on a envie, mais que la personne elle a pas envie, on va pas le forcer. Tu vois. Ou inversement, si lui il a envie et moi j'ai pas envie. Justement, j'allais en venir. Si par exemple, ça fait longtemps que t'es avec, t'es amoureuse et tout, il dit ouais, moi j'ai jamais testé ça, j'aimerais. Laisse-moi finir ma phrase. J'ai envie de tester ça, tout ça. Est-ce que t'es partante ? Non. Et même si tu l'aimes, tout ça, tu. Bah non. Si moi je veux pas, non. Ouais mais je sais pas, tu dis peut-être pourquoi pas, genre pour lui faire plaisir. Parce que des fois il faut faire des concessions. Donc. Oui mais non. Non, ok. Concessions dans la vie, ça. Et toi du coup ? Ouais moi non. Non, donc même si ça fait longtemps que t'es avec, pour lui faire plaisir et tout, c'est tant pis, tu trouveras autre chose. Tant pis, tu trouveras autre chose. Vraiment. Bon du coup la question du jour elle est très simple, c'est tout simplement vous êtes pour ou contre le faire par derrière ? Perso c'est pas mon truc. Après... Pourquoi ? Et bah j'aime pas ça, mais après ça, je comprends que les gens ils peuvent... Non, ok, alors les mecs je comprends, genre par derrière c'est ouf, t'as le boule dans la gueule et tout, mais après les meufs c'est insupportable, tu vois le drap frère, tu vois le mur, genre ça sert à quoi ? Genre t'as rien, genre vraiment t'as rien. Et bref. Du coup, toi quand tu dis par derrière t'aimes pas, c'est parce qu'il y a déjà eu l'expérience et t'as pas aimé ou parce que dans ta tête ça te donne pas envie, ça t'inspire pas ? Non, dans ma tête ça m'inspire pas. Et toi ? Parce que j'ai déjà fait et j'ai pas aimé. T'as pas aimé ? Non. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais ou pas ? Non, mais pas. Non, elle a été traumatisée de la chose. Non, du coup, non, ça serait pas possible. Non. Et du coup, si on prend ton exemple à toi, vu qu'il n'y a jamais eu le cas, si t'es vraiment amoureuse, le mec il dit ouais, j'aimerais bien tenter ça, machin, est-ce que c'est négociable ou pas négociable ? Oui, c'est négociable, mais après, je pense pas que je vais kiffer quoi. Ouais, c'est pas un truc qui toi donne non. Forcément envie, qui fait que tu penses prendre du plaisir dessus. Quoi. Ouais, non. Et du coup, toi, on reprend le même cas, si là t'es vraiment amoureuse et tout, malgré le fait que t'es pas kiffé, est-ce que il y a la petite négociation ? Bah, faut que je l'aime beaucoup, quoi. Mais sinon, non, c'est marrant. Tira à contre-coeur, quoi. Ouais, voilà. Genre, ça sera pas le truc qui. Ouais, super, c'est l'éclate, j'adore ça. Ouais. Ah, je suis contre. Pourquoi ? Parce que. Vas-y, ce trou, il sert pas à ça. Hein. Bah, pour certaines personnes, si. Ah ouais, mais moi, c'est pas qui mon avis. Hein. C'est ça, il y en a qui kiffent. Toi, non. Ouais, non. Et toi ? Personnellement, non. C'est pas mon délire, mais après, si les gens, c'est leur délire. C'est pourquoi pas ? Et toi ? Chacun ses choix, mais moi non. Du tout. Non, toi non ? Non. Et du coup, pourquoi non ? Parce que vous avez déjà essayé et ça vous a pas plu ou non ? Parce que c'est un truc que vous imaginez pas ? C'est un truc que j'imagine pas et je veux pas l'imaginer. Et toi ? Ouais, pareil, c'est quelque chose, ça m'attire pas trop. Et toi ? Pareil. Hein, est-ce qu'il y a déjà un de vos copains qui vous a demandé, proposé de passer par le tunnel un peu plus sombre ? Non. Ils me connaissent. Ah ouais. Donc ils savent que c'est ça sera non. Pareil. Pareil, non, j'avais posé question. Pareil. Et du coup, si vraiment il est amoureux, genre vraiment, t'es amoureuse, il est amoureux, tout, c'est l'amour fou, ça fait des mois, des années, et il dit ouais, j'ai envie de tenter ça. Ah bah, ce sera pas avec moi. Non, vraiment. Il faut faire des concessions des fois dans l'amour. Ouais, mais il faut que ça aille des deux sens. Si lui il a envie, mais moi non, c'est le consentement. C'est pour lui. Ouais. Ce sera non. C'est ça. Et toi, du coup, est-ce que si ça fait longtemps, ça peut se négocier ou pas ? Genre des petits compromis, tu lui dis, tu fais ça à la place. En vrai, c'est parce que c'est tabou, mais en vrai, je sais pas, peut-être plus tard, ça se trouve, voilà, mais... Pourquoi pas, on sait pas de quoi rêver. Après, j'ai jamais essayé, donc je sais pas. Mais et toi ? Mais franchement, si j'ai pas envie, même si ça fait longtemps, non. Ouais. Enfin, franchement, c'est juste on se respecte mutuellement et du coup...